Et voilà, c'est parti. Donc tu peux, à toi, Voilà. Mathieu. Donc bonsoir à tous. Alors pour commencer, je me présente. Je m'appelle Mathieu Buisson. Je suis français, mais je vis en Irlande depuis presque 10 ans maintenant. Donc c'est pas impossible que je me mette à faire un peu de franglais. Dans tous les cas, si jamais il y a quelque chose qui vous paraît pas clair dans ce que je raconte, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Actuellement, je travaille pour une entreprise de logiciels qui s'appelle OneView Healthcare, qui fait des logiciels dans le domaine de la santé et principalement à destination des hôpitaux. Et donc, mon travail, c'est de rendre les déploiements fiables, automatisés et uniformes pour tous les environnements, dev, test et production. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @theshellnut ou sur mon blog mathieubuisson.github.io. Donc si vous voulez me contacter pour des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire par ces moyens-là. Sur ces plateformes, je parle principalement de PowerShell. Donc ça va être des problématiques liées au pipeline CI/CD ou PowerShell DSC ou au test avec Pester par exemple. Et par contre, c'est uniquement en anglais. Donc, de quoi on va parler ce soir? On va parler de qualité de code. Alors, qu'est-ce que la qualité? Bon, vous inquiétez pas, on va pas se lancer dans une grande dissertation abstraite et philosophique sur qu'est-ce que la qualité. On va aborder les fondamentaux, mais on va passer assez rapidement au concret avec les indicateurs qui nous permettent de détecter et de quantifier différents aspects de la qualité de code. Et donc, comment on peut quantifier les aspects de qualité de code? Eh bien, en utilisant des métriques. Et donc, on va avoir un ensemble de métriques assez variées qui peuvent être collectées facilement en utilisant PS Code Health. PS Code Health, c'est un module PowerShell que j'ai écrit qui permet justement de collecter ces métriques et de générer un rapport. On va voir principalement dans les démos, on va voir comment générer un rapport avec PS Code Health sur une base de code PowerShell. Cette base de code, c'est un projet qui n'est pas de moi, mais c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent, et qui est assez simple en termes de code, donc c'est parfait pour une démo. On va regarder le rapport HTML généré par PS Code Health pour voir les aspects de qualité sur lesquels ce projet fait les choses bien et les aspects à améliorer. Ensuite, on va voir comment personnaliser les métriques de code PS Code Health, les règles de métriques, parce que PS Code Health, il contient tout un ensemble de règles pour la plupart des métriques qui permettent de nous dire pour telle métrique, en dessous de telle valeur, c'est bien, à partir de telle valeur, c'est moyen, et au-dessus de telle valeur, c'est pas bien. Donc on verra comment on peut personnaliser ces règles-là. Donc la qualité de code, c'est quoi? Alors la qualité de code, c'est un sujet très vaste. Il y a des bouquins entiers qui sont dédiés à ce sujet. Nous, pour cette présentation, on va se concentrer sur les aspects qui peuvent être observés en analysant le code et qui peuvent être quantifiés avec PS Code Health. Donc ça va être la qualité de code dans un contexte plutôt spécifique à PowerShell et plutôt spécifique à PS Code Health aussi. Donc dans ces aspects de qualité de code, il y a trois grands groupes d'ingrédients: la lisibilité, la maintenabilité et la fiabilité. Et comme on peut voir sur ce graphique, ces trois composants se recoupent parce qu'un composant a souvent un impact sur les autres composants. Par exemple, la lisibilité du code a un impact sur la maintenabilité, et à son tour, la maintenabilité, à moyen ou long terme, elle a une influence sur la fiabilité du code. On reviendra là-dessus un peu plus tard.
Pourquoi la lisibilité, c'est un ingrédient important? Eh bien, une base de code, c'est vivant. Dès que votre code est utilisé ou maintenu par plusieurs personnes, le code, il a une vie plus ou moins longue et plus ou moins mouvementée. La base de code, elle va grandir, elle va avoir des bugs, elle va être diagnostiquée, déboguée, modifiée, etc. Donc en gros, un bout de code au cours de sa vie, il est lu beaucoup plus de fois qu'il n'est écrit. Du coup, c'est plus important que le code soit facile à lire que facile à écrire. Et en plus, comprendre du code existant, c'est en général plus compliqué que d'écrire un nouveau bout de code. Ensuite, la maintenabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la maintenabilité? En gros, ça mesure combien de temps et combien d'efforts ça prend pour faire une modification dans le code. Et ça mesure aussi le risque que cette modification introduise des problèmes dans les fonctionnalités existantes, y compris dans d'autres parties du code. Et la fiabilité, alors la fiabilité, c'est pas forcément l'aspect sur lequel on va passer le plus de temps dans cette session, parce que c'est pas évident à quantifier directement en analysant le code. Mais évidemment, du code de qualité, c'est avant tout du code qui fonctionne. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours si simple que ça. Du code fiable, c'est aussi du code qui a un comportement conforme à la fonctionnalité voulue au moment du développement. Et si possible, c'est du code qui est capable de le prouver, qui peut prouver qu'il fonctionne comme attendu. Et on verra tout à l'heure comment on peut prouver ça, mais peut-être que vous avez déjà une idée. Un petit indice, c'est un mot qui commence par la lettre T et qui finit par est. Alors, du code lisible, c'est quoi? D'abord, c'est du code qui suit des pratiques de style de manière uniforme. Donc il y a tout un tas de pratiques qui sont liées au style et au formatage du code. Par exemple, l'indentation ou le fait d'ouvrir les accolades sur une nouvelle ligne ou pas. La capitalisation de certains noms, par exemple Pascal Case ou Camel Case. Pour beaucoup de ces pratiques-là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est plutôt une question de préférence personnelle ou de choix de l'équipe si vous travaillez en équipe. Le plus important, c'est pas de dire si tel ou tel style est plus lisible qu'un autre. Le plus important, c'est de choisir un style et de s'y tenir. Donc, ce qui compte vraiment, c'est que le style soit uniforme à travers l'ensemble d'un fichier ou d'un module ou d'un projet. Ensuite, c'est du code qui utilise une sémantique claire et descriptive. On a vu tout à l'heure que c'est important que le code soit facile à lire. Pour illustrer ça, il y a une citation de Martin Fowler qui dit « N'importe qui est capable d'écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre, mais un bon programmeur, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire du code que les humains peuvent comprendre. » Cette citation, elle est intéressante parce que elle montre qu'il y a deux types de cibles. Quand on écrit du code, on a deux types d'audience. D'un côté, on a la machine ou le logiciel qui va interpréter et exécuter le code. Et de l'autre côté, on a les humains qui vont devoir lire, comprendre et maintenir le code. Et donc cette citation, elle dit aussi que l'audience la plus importante, c'est les humains. Et donc sur ce sujet-là, il y a une notion que je trouve très importante. C'est que PowerShell, c'est un langage de programmation. Et un langage de programmation, c'est avant tout un langage. Un langage, c'est quoi? C'est un outil de communication. C'est un moyen de transport pour faire passer des messages ou des idées. Et comment on fait bien passer des idées? En résumé, ça repose sur une utilisation efficace des mots pour que le fond du message prenne le dessus sur la forme. Et donc dans n'importe quel langage, y compris les langages de programmation, il y a deux grandes catégories de mots. Les mots qui font partie de la grammaire ou de la syntaxe, donc ça c'est la forme,
et les mots qui font partie de la sémantique, c'est-à-dire les mots qui portent du sens, qui participent au fond. Donc, dans un langage de programmation, les mots qui font partie de la grammaire, ça va être par exemple les opérateurs d'assignement, les opérateurs de comparaison, les parenthèses, les mots-clés pour faire des conditions, comme is, if ou else, les mots-clés pour faire des boucles, for each ou while, par exemple. Et les mots qui font partie de la sémantique, c'est tout le reste. C'est les mots que vous, vous créez. C'est les noms de fonctions, les noms de commandes, les noms de variables, les noms de paramètres. Et PowerShell, c'est un langage qui a été conçu dès le départ pour être lisible. On voit bien l'importance de la sémantique quand on regarde la convention de nommage des commandelettes. Verbe, tiret, nom. La partie verbe, elle a un rôle qu'on connaît tous, c'est exprimer le type d'opération que fait le commandelette. Et puis la partie nom, elle a son rôle aussi, c'est exprimer le type d'objet que le commandelette manipule. Donc grâce à cette convention de nommage, ça nous permet de deviner facilement ce que fait le commandelette juste en regardant son nom. Et donc quand on écrit du code, surtout en PowerShell, il faut essayer de penser de la même manière. Se dire que à chaque fois qu'on l'utilise ou qu'on crée des mots dans notre code, il faut voir ça comme une opportunité pour exprimer du sens, pour faire passer un message. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message à faire passer quand on écrit du code? Eh bien, principalement, ce sont des messages explicatifs pour aider les personnes qui liront le code, pour expliquer ce que fait le code. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des noms descriptifs. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'éviter d'utiliser des alias et qu'on utilise les noms complets des commandelettes ou des fonctions au lieu d'utiliser les alias. Et c'est aussi pour ça que dans des scripts, c'est important d'expliciter les paramètres positionnels. Alors, en PowerShell, il y a beaucoup de commandelettes qui ont des paramètres positionnels. C'est-à-dire que si on met les valeurs dans le bon ordre, directement après le nom du commandelette, PowerShell peut deviner à quelle valeur doit être liée à quel paramètre. Bon, si ce n'est pas très clair, on verra ça dans la démo tout à l'heure. Alors, on va faire la démo. Donc là, c'est juste un petit aperçu de différents styles. C'est des styles d'indentation. Donc là, c'est le style où on ouvre les accolades sur une nouvelle ligne et on ferme les accolades sur une nouvelle ligne. Ensuite, on a la même chose. Donc ça, ce bout de code-là, il fait exactement la même chose que ce bout de code-là. C'est juste le formatage qui est différent. Et donc ça, c'est le style qu'on appelle OTBS. Donc je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Ah oui, One True Brace Style. Et donc la seule différence, c'est que là, on ouvre l'accolade sur la même ligne que le if. Et puis il y a en plus le else qui va se retrouver sur la même ligne que l'accolade qui ferme. Ensuite, toujours la même chose, mais avec un style encore une fois différent. Ça, c'est le style Startup. Et donc, c'est la même chose que OTBS, sauf que on a le else qui est sur une nouvelle ligne. Donc, personnellement, moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, et je crois que c'est ce qu'on voit le plus souvent en PowerShell. Mais bon, voilà, c'est plus une question de préférence. Chacun son style. L'important, c'est de choisir un style et puis de s'y tenir.
Ensuite, sur la partie sémantique et l'impact sur la lisibilité, on a différentes versions d'une même fonction. Donc là, on a cette fonction-là, qui fait la même chose que cette fonction-là, et qui fait la même chose que cette fonction-là. À chaque fois, c'est le fonctionnement identique, mais c'est juste en termes de lisibilité où il y a des différences. Donc là, on part du moins lisible. Et puis on améliore petit à petit. Donc là la différence, c'est qu'on lui donne un nom qui a du sens. Donc là, en regardant le nom de la fonction, on peut deviner ce qu'elle fait. Ensuite, la troisième version. Donc là, la grosse différence, c'est qu'on n'utilise plus d'alias. Au lieu de ls, on utilise getChildItem. Et au lieu de pourcentage, on utilise le nom complet du commandlet for each object. Toujours la même fonction, cette fois-ci, on explicite bien les paramètres. Paf, c'est un paramètre qui est positionnel, c'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé d'expliciter le nom du paramètre. PowerShell va deviner que cette valeur c'est rattaché à paf. Donc pour que ce soit plus lisible, on explicite bien le paramètre. Et puis la même chose pour ce paramètre-là. Au lieu de tirer h, quand on lit, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Alors que là, c'est bien explicité. Et même chose pour le paramètre process, qui lui aussi est un paramètre positionnel. Bon, alors, c'est peut-être un petit peu extrême parce que quand on regarde du code PowerShell, on voit très rarement le paramètre process explicité hein, pour for each object. Mais bon, c'est juste pour être cohérent. Encore une fois, toujours la même fonction, sauf que là, on a découpé la fonctionnalité à l'intérieur du code en deux parties différentes au lieu d'avoir tout sur une même ligne. Donc, on a bien le découpage entre la déclaration de la variable qui va contenir des fichiers. Et donc on stocke nos fichiers dans la variable. Et ensuite, de manière plus séparée, on va faire une boucle pour faire quelque chose sur chacun des fichiers. Donc en général, pour un script, c'est un petit peu plus lisible que d'utiliser for each object. Et surtout, c'est plus facile en cas de problème à troubleshooter. Parce qu'on peut mettre un breakpoint là, par exemple. Et donc là, on pourra voir exactement ce qu'il y a à chaque itération de la boucle. Donc voilà pour la lisibilité. Ensuite, pour la maintenabilité, donc d'abord, c'est important que le code soit compréhensible. Et donc là, premier élément, c'est rattaché évidemment à la lisibilité aussi. Donc la lisibilité, on a déjà vu ça. Il y a un autre aspect pour rendre le code compréhensible, c'est la compréhension, la complexité du code. C'est un aspect important dans notre capacité à comprendre le code, mais ça a aussi un impact sur la maintenabilité. La complexité, ça augmente le risque de bug. Quand on a un bout de code qui contient beaucoup de logique, par exemple beaucoup de boucles ou beaucoup de if, beaucoup de else, etc., quand on exécute ce bout de code, l'exécution du code peut prendre plein de chemins différents à l'intérieur de la fonction. Donc si on a un bout de code dans lequel l'exécution peut prendre plein de formes et plein de chemins différents, on se retrouve avec du code qui peut ressembler à un labyrinthe. Et dans un labyrinthe, il y a plein de chemins possibles, et certains de ces chemins-là, ils sont visités rarement, parce que, on accède à ces chemins-là que dans certaines combinaisons de circonstances bien précises.
Donc si en plus ces chemins-là, ils ont plein de petits recoins, ça fait des cachettes parfaites pour les bugs. Donc plus il y a de chemins possibles et de zones obscures dans le code, plus il y a de risques de bugs. En plus de ça, quand il y a des bugs, ça rend les bugs plus difficiles à localiser et à déboguer. Si jamais on rencontre un défaut dans le code, comme il y a une multitude de chemins possibles à travers le code, c'est compliqué d'identifier exactement dans quel chemin se cache le défaut. Donc ça rend le débogage plus difficile et coûteux. Et ça rend la maintenance du code plus difficile et plus risquée. Si on fait un changement dans une base de code existante, il faut d'abord comprendre le code. Et plus le code est complexe, plus c'est difficile à comprendre. Ou alors on fait le changement dans le code, mais on n'a pas une compréhension complète du code. Le résultat, c'est que on n'est pas vraiment capable de prédire les répercussions que ce changement va avoir sur l'ensemble du code, sur l'ensemble du système. Donc on peut très bien faire un changement sur une seule ligne de code et causer sans le savoir des problèmes dans d'autres parties du code. Et le résultat, quand on a du code qui est difficile à maintenir comme ça, c'est qu'on se retrouve avec du code que personne ne veut toucher. Et donc ça peut être une bombe à retardement. Ensuite, documenter. Alors je dis bien documenter et pas commenter. Personnellement, et en général, je ne suis pas vraiment fan des commentaires en ligne à l'intérieur du code. Trop de commentaires dans le code, ça peut rendre le code moins facile à suivre. Et de toute façon, dans la mesure du possible, il ne devrait pas y avoir énormément besoin de commentaires. Pourquoi? Parce que les commentaires, normalement, ils doivent être utilisés uniquement si nécessaire, uniquement pour expliquer la logique et l'intention derrière le code et pas le code lui-même. Et pourquoi il n'y a pas besoin d'expliquer le code lui-même? Parce que si on suit ce qu'on a vu tout à l'heure, avec du code qui est clair, qui est explicite, qui est expressif, on a du code qui est facile à comprendre. Voilà, donc j'ai mis une citation de Bob Martin qui a dit, bon c'est traduit de l'anglais, mais en gros c'est l'utilité des commentaires, c'est de compenser une incapacité à s'exprimer en code. Donc si vous arrivez à vous exprimer en code, vous aurez beaucoup moins besoin de commentaires. Ensuite, du code maintenable, c'est du code modulaire, avec une séparation claire des responsabilités par bloc logique. Donc, dans le contexte qui nous intéresse, pour une base de code PowerShell, en général, les blocs logiques, ça va être des fonctions, ou des fichiers, ou des modules. Et bon, très souvent, ça va être la fonction. Et la fonction, c'est la plus petite unité de code quand on pense en termes de bloc logique ou de bloc fonctionnel. Et donc, une fonction, dans la mesure du possible, ça doit faire une seule chose. Donc, pour que le code soit modulaire, il faut qu'il soit organisé en bloc logique et que chaque bloc ait une responsabilité unique. Et d'ailleurs, ça nous ramène à la convention de nommage des commandlets PowerShell. Parce que normalement, il est recommandé que le nom de nos fonctions suive cette même convention de nommage, verbe-nom. Et donc, si on suit cette convention, indirectement, ça nous aide à faire des fonctions à responsabilité unique. Parce que si on galère à trouver le bon verbe pour une fonction, c'est que peut-être la fonction, elle fait plusieurs types d'opérations différentes. Et que la responsabilité de la fonction est pas claire. Et même chose pour la partie nom. Si dans le nom de notre fonction, on se retrouve avec plusieurs noms, plusieurs mots,
Peut-être que la fonction, elle fait des opérations sur plusieurs types d'objets. Dans ce cas-là, c'est potentiellement une bonne idée de diviser la partie, la fonction en plusieurs fonctions qui auraient des responsabilités plus claires et plus limitées. Même pas peur. Donc, et on a abordé un peu ce sujet quand on a parlé de la complexité. Quand on fait un changement sur une base de code très complexe, on peut se retrouver dans une situation où on ne peut pas vraiment prédire si ça va nous exploser à la figure ou pas. Donc, quand on se retrouve à travailler sur une base de code qui ressemble à une bombe à retardement, et qu'on se demande, bon, alors je coupe le fil rouge ou le fil noir? Vous avez peut-être déjà connu ce genre de situation. Et évidemment, c'est du code qui n'est pas maintenable. Donc, c'est du code que personne ne va vouloir toucher. Et un élément important de la maintenabilité du code, c'est la capacité à changer le code sans risque d'introduire de nouveaux problèmes. Ensuite, du code fiable, c'est quoi? C'est d'abord du code qui a le moins de bugs possible. Alors, j'utilise le mot bug ici, mais je trouve le mot bug un petit peu déresponsabilisant. En général, je préfère le terme défaut. Quand on dit qu'il y a un défaut dans le code, ça sous-entend bien qu'il y a un manquement quelque part. Et ce n'est pas pour pointer du doigt une personne. C'est juste pour exprimer que on assume nos responsabilités en tant que codeur et on est responsable de la qualité de notre code. Donc, qu'est-ce qu'un bug ou un défaut? C'est un bout de code qui donne un résultat incorrect ou imprécis. Et d'une manière plus générale, c'est n'importe quel comportement qui n'est pas conforme à la fonctionnalité attendue. Donc, du code fiable, c'est aussi du code qui est capable de prouver que son fonctionnement est correct. Donc, comment on fait pour prouver que du code fonctionne comme attendu? Eh bien, avec des tests. Avec des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Dans cette session, on va surtout regarder les tests unitaires. Parce que ce sont les tests qui sont les plus proches du code à proprement parler. Et en plus, ce sont les tests les plus faciles à automatiser. Donc d'un côté, on a notre code source qui exprime la fonctionnalité attendue et qui implémente cette fonctionnalité. Et de l'autre côté, on a le code de test qui exécute le code source et qui vérifie le fonctionnement du code source. En PowerShell, on a un excellent outil que vous connaissez sûrement, c'est Pester. Donc Pester, c'est un framework de test développé en PowerShell et pour PowerShell. Donc à la base, le but de Pester, c'est avant tout pour écrire et exécuter des tests unitaires, mais pas que. Tout ce qui est vérifiable avec du code PowerShell, ça peut être testé avec Pester. Donc dans le rapport entre les tests et la fiabilité, il y a une dimension importante, c'est que les tests permettent de détecter des défauts dans le code, et notamment dans le cas des tests unitaires, ça permet de les détecter très tôt dans le cycle de vie du code. Par exemple, si vous faites un changement dans un module PowerShell, et ensuite vous exécutez la suite de tests unitaires, et là, vous vous rendez compte qu'il y a un test qui échoue. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le test ne correspond plus à la fonctionnalité attendue, parce que la fonctionnalité a changé. Dans ce cas-là, il faut modifier le code du test. Soit le code source n'est plus tout à fait conforme à la fonctionnalité voulue, qui est validée par le test. Dans ce cas, le test a permis de détecter un défaut dans le code source. Et en plus, quand un test unitaire détecte un défaut dans le code source, en général, ça donne une idée, avec le message d'erreur, de
où dans le code se trouve le problème. Donc on peut retourner dans notre code source, identifier le défaut, le corriger très rapidement, et réexécuter notre suite de tests et voir si tout est OK. Donc c'est beaucoup plus rapide de détecter les défauts grâce aux tests. Et donc ça permet de détecter les défauts plus tôt dans le cycle de vie. Et c'est surtout valable pour les tests unitaires parce qu'en général, les tests unitaires sont exécutés de manière systématique à chaque changement de code. Donc c'est beaucoup mieux que de détecter les codes, les défauts en production. Parce qu'en production, ça va avoir un impact direct sur l'utilisateur final. Donc les indicateurs de collectés par PS Code Health qui sont liés à la lisibilité. On a le nombre de lignes de code par fonction. Donc ça, c'est une métrique qui est très classique et très simple. C'est le nombre de lignes de code exécutables dans le code source d'une fonction. Et donc, je dis bien exécutable parce que ça ne prend pas en compte les lignes de commentaires. Dans les années 80, il y avait une recommandation qui disait, on doit pouvoir voir tout le code d'une fonction dans un écran. À l'époque, un écran, c'était en gros 24 lignes en hauteur et 40 caractères en largeur. Alors évidemment, aujourd'hui, les dimensions et les résolutions d'écran sont beaucoup plus élevées. Donc une fonction qui tient dans un écran, c'est plus forcément une fonction d'une taille raisonnable. Mais en gros, la chose à retenir, c'est que plus une fonction est courte, mieux c'est pour la lisibilité. Et donc pour cette métrique de lignes de code par fonction, à partir de combien de lignes ça commence à faire trop? Eh bien, on verra ça tout à l'heure dans la démo, ce qu'en pense la règle de métrique PS Code Health. Ensuite, on a les résultats PS Script Analyzer. Donc la lisibilité, c'est lié aussi aux pratiques de style, au fait d'utiliser les noms complets et pas les alias, et du fait d'utiliser d'expliciter le nom des paramètres, etc. Donc pour ces pratiques-là, il y a un outil de type linter. Dans le monde PowerShell, c'est PS Script Analyzer, que vous connaissez probablement. Et donc PS Code Health utilise PS Script Analyzer pour identifier les parties du code qui ne suivent pas les bonnes pratiques en termes de lisibilité, mais pas que. Hein. Ça peut être toutes les bonnes pratiques, n'importe quelle bonne pratique qui correspond à des règles dans PS Script Analyzer. Donc moins il y a de résultats PS Script Analyzer, mieux c'est. Et donc PS Code Health mesure le nombre de résultats PS Script Analyzer et il prend en compte la sévérité des résultats. Donc ça va nous donner le nombre de résultats de sévérité information, de sévérité warning et de sévérité erreur. Donc on va passer à la démo et on va regarder ça. Donc là, on a une fonction et donc c'est la version pas très lisible. C'est la version pas très lisible parce que elle n'utilise pas des noms très intéressants pour les noms des variables, ça utilise des alias, etc. Donc, on la stocke dans une variable et ensuite on va convertir ça en un objet de type fonction AST. Parce que PS Code Health, ça utilise énormément AST. Alors AST, c'est le nouveau, entre guillemets, nouveau parseur de PowerShell qui a été introduit avec PowerShell version 3. Et
ça nous permet de récupérer les différents types de mots du langage PowerShell à partir du code source, et ça permet d'analyser le code. Voilà, donc là on a converti en un objet analysable par AST et analysable par la fonction getFunctionLinesOfCode of code. Ça, c'est une fonction qui est interne à PSCodeHelp. Donc quand vous chargez le module PSCodeHelp, elle n'est pas accessible directement, elle n'est pas publique, mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité pour mesurer le nombre de lignes de code. Donc c'est cette fonction-là. Donc voilà, donc notre fonction-là, cette fonction-là, elle fait 12 lignes. Voilà, donc 12. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est trop? Eh bien, à ce moment-là, on va demander à PSCodeHelp ce qu'il en pense. Donc, avec le commandlet getPSCodeHelpCompliance. Donc, ça, c'est une fonction qui fait partie aussi de PSCodeHelp. Cette fonction-là, par contre, elle est publique. Et donc là, on va demander la règle de métrique PSCodeHelp pour les métriques par fonction et pour la métrique qui s'appelle Lines of Code. Donc la règle de métrique, elle nous dit on entre en niveau warning à partir de 30 lignes de code par fonction et on entre en niveau fail à partir de 60 lignes par fonction. Donc à partir de 30 lignes, ça commence à être un petit peu long, c'est pas catastrophique, mais c'est moyen. Et à partir de 60 lignes, bon, ça commence à être fo une fonction un peu trop longue. D'après la règle PSCodeHelp. Ensuite, PSCodeHelp pour récupérer les résultats PScript Analyzer, eh bien voilà ce qu'il fait. Il utilise Invoke Script Analyzer et il utilise le paramètre Script Definition et on lui passe la fonction. Et donc c'est même pas la fonction sous forme d'AST, c'est vraiment la fonction sous forme de string. Et donc là, PScript Analyzer nous a trouvé trois violations et les trois, c'est une violation du même type. C'est par rapport aux alias. Et donc, on va regarder la règle de métrique par rapport au résultat, cette métrique-là qui mesure le nombre de résultats PScript Analyzer par fonction. Vu qu'on a trois résultats, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc là, la règle de métrique nous dit que c'est bien, parce que ce serait moyen à partir de 7, et puis pas bien à partir de 12. Voilà, donc là, on a la même fonction, mais une version un peu plus lisible. La principale différence, c'est que ça utilise des noms de variables avec un peu plus de sens. Donc là, on peut voir à quoi correspond la variable en regardant le nom de la variable. Et puis, ça utilise le nom complet des commandlets au lieu d'utiliser les alias. Donc là, sur cette fonction-là, qu'est-ce que va nous trouver PScript Analyzer? Rien. Donc là, c'est mieux. C'est mieux du côté de la lisibilité. Donc voilà pour la démo lisibilité. Alors, les indicateurs qui sont liés à la maintenabilité. Donc c'est beaucoup lié à la complexité.
Et donc, il y a deux grandes manières de mesurer la complexité du code. Il y a la complexité cyclomatique et puis le niveau d'imbrication. Donc, la complexité cyclomatique, c'est vraiment la métrique la plus répandue pour mesurer la complexité du code. C'est une métrique qui est utilisée depuis des décennies et pour plein de langages de programmation différents, mais pas pour PowerShell. En tout cas, pas quand j'avais commencé à travailler là-dessus pour écrire PS Code Help. En gros, la complexité cyclomatique, ça mesure le nombre de chemins possibles à travers un bout de code quand on exécute ce bout de code. Donc le bout de code pour lequel on mesure cette métrique, normalement, c'est la plus petite unité de code. Donc typiquement en PowerShell, ça va être une fonction. Donc la complexité cyclomatique, c'est une métrique intéressante pour mesurer la complexité, mais aussi pour mesurer la testabilité. Pourquoi? Parce que, admettons qu'on veuille que nos tests couvrent tout le code dans une fonction, ça veut dire que nos tests doivent passer par tous les chemins d'exécution possibles dans la fonction. Donc si notre fonction a une complexité cyclomatique de 10, ça veut dire qu'il y a 10 chemins d'exécution possibles à travers la fonction. Et donc ça veut dire que si on veut que nos tests couvrent tout le code, eh bien, il faut que nos tests exécutent la fonction au minimum 10 fois de manière différente. Plus la complexité cyclomatique est élevée, plus il faut des tests pour couvrir tout le code. Et on reviendra sur ce sujet un peu plus en détail quand on parlera du taux de couverture des tests. Donc concrètement, dans du code PowerShell, qu'est-ce qui fait augmenter la complexité cyclomatique? Qu'est-ce qui crée des nouveaux chemins dans le code? Eh bien, ce sont des mots-clés liés aux conditions. Par exemple, un bout de code qui n'a aucune condition, il va s'exécuter de manière complètement linéaire, de haut en bas, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin possible dans le code. Donc là, la complexité cyclomatique est égale à 1. Mais ça change dès qu'on rajoute une condition. Par exemple, un if, n'importe quel if, dès qu'on rajoute un if, ça augmente la complexité cyclomatique de 1 parce que ça crée un chemin supplémentaire qui se trouve dans le corps du if. Un if accompagné d'un else, c'est pareil en fait. Ça augmente la complexité que de 1. Parce que le else, ça va être considéré comme le chemin normal. Par contre, un if avec un else if, là, ça rajoute un chemin pour le if et un chemin de plus pour chaque else if. Et même chose quand on utilise le switch, le statement switch. Donc là, ça rajoute un chemin supplémentaire par clause dans le switch, sauf pour la clause default, parce que la clause default, elle est considérée comme un else. Et il y a aussi les boucles. Certains types de boucles rajoutent un chemin d'exécution supplémentaire parce qu'ils ont une condition qui décide si on va entrer ou pas dans le corps de la boucle. Donc la boucle avec un for each, ce type de boucle, ça ne crée pas de chemin supplémentaire parce qu'il n'y a pas de condition. Par contre, la boucle for, là, en général, il y a une condition. Donc la condition, elle est évaluée et uniquement si elle est vraie, on va entrer dans le corps de la boucle. Donc la boucle for, si elle a une condition, et en général la boucle for a une condition, elle va augmenter la complexité cyclomatique de 1. Même chose avec les boucles de type while. Ensuite, deuxième méthode pour mesurer la complexité, ça va être le niveau d'imbrication maximale.
Le niveau d'imbrication maximale d'une fonction, c'est le niveau d'imbrication du bout de code le plus profondément imbriqué dans la fonction. C'est pas forcément évident à expliquer, mais on le verra peut-être mieux dans la démo. Donc, par exemple, dans une fonction, s'il y a un bloc if qui est à l'intérieur d'un bloc catch, qui est lui-même à l'intérieur d'une boucle for each, dans ce cas-là, le bout de code dans le corps du if a un niveau d'imbrication de 3. Alors, quel est l'intérêt de cette métrique? Qu'est-ce qu'on essaye de mesurer avec le niveau d'imbrication maximale? Eh bien, en fait, on essaye de mesurer la complexité du contexte. Par exemple, si on reprend l'exemple qu'on vient de citer, on a un if qui est dans un catch, qui est dans un for each. Le code qui se trouve dans le corps du if, ça peut être une seule ligne de code très simple, mais en réalité, parce qu'elle est imbriquée dans plusieurs niveaux différents, pour comprendre ce que fait cette ligne-là et dans quelles circonstances elle le fait, on est obligé de comprendre les blocs parents. Donc du coup, même si cette ligne de code-là est très simple, plus elle est imbriquée, plus son contexte est complexe. Alors visuellement, le niveau d'imbrication, il est assez facile à évaluer en suivant les niveaux d'indentation du code. Mais pour évaluer programmatiquement le niveau d'imbrication, c'est moins, on peut pas se fier à ça. Donc PS Code Health utilise une autre méthode. Il fait un suivi des accolades en fait pour déterminer les blocs de code. Donc pour résumer ces deux métriques, la complexité cyclomatique et le niveau d'imbrication maximal, ils mesurent deux aspects différents de la complexité du code. Et donc ce sont deux métriques qui sont très complémentaires pour évaluer la complexité. Et on va le voir dans la démo. Donc là, on a un exemple de fonction. C'est la même fonction que tout à l'heure. Et donc, on l'appelle fonction pas très complexe. On la récupère. On la convertit en un objet de type fonction AST. Et on va utiliser la fonction interne à PS Code Health qui s'appelle Measure Function Complexity. Et qui nous permet de collecter la métrique qui correspond à la complexité cyclomatique. 2. On a une complexité cyclomatique de 2. Et donc, comment ça se fait? Eh bien, c'est simple. Les mots-clés qui créent des nouveaux chemins, bah, là, on a un if, et c'est tout. Donc, un bout de code qui a zéro condition, de toute façon, elle a déjà 1 en complexité. Comme on a un if, ça rajoute 1, donc on a une complexité cyclomatique de 2. Voilà. Alors, pour la métrique qui s'appelle complexity, est-ce que 2 c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Qu'est-ce qu'en pense la règle de métrique PS Code Health? Voilà, donc la règle de métrique PS Code Health, elle dit que la complexité cyclomatique, à partir de 15, ça commence à être moyen, et à partir de 30, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, on a un autre exemple avec une fonction qui va avoir une complexité cyclomatique plus élevée. Là, on utilise un statement switch avec 12 clauses. Donc là, on peut déjà deviner que la complexité cyclomatique de cette fonction-là, ça va être 13. Donc on va vérifier ça. Même chose, on convertit en AST. Voilà,
on a une complexité cyclomatique de 13. Mais si on regarde la fonction, est-ce qu'elle est si compliquée que ça? Pas forcément. Elle n'est pas si compliquée à comprendre. On voit bien, on détermine le mois sous forme de lettres en fonction du contenu de la propriété month. Rien de très compliqué à comprendre et pas forcément compliqué à maintenir non plus. Donc, on va utiliser une autre métrique pour la complexité qui sera peut-être un peu plus représentative de la complexité perçue par le lecteur. C'est le niveau d'imbrication maximale. Et donc pour ça, on va utiliser une fonction interne à PSCodeF qui s'appelle Measure Function Nesting Depth, qui nous permet de collecter la métrique qui correspond au niveau d'imbrication maximale d'une fonction. Donc voilà. Et donc là, on a un niveau d'imbrication qui est de 2. Et donc on le voit bien en regardant l'indentation. Là, on est au niveau 1. Et puis là, chaque clause là se trouve à l'intérieur, tout ce qu'on a là. Là, c'est au niveau 2. Et là, c'est au niveau 2 d'imbrication. Donc, c'est le niveau d'imbrication maximal qu'on va retrouver dans la fonction. Et donc, on va consulter la règle de métrique PSCodeF qui va nous dire que 2, c'est bien. 2, avec une valeur de 2, il n'y a pas de souci. C'est que à partir de 4, où ça commence à être moyen, et à partir de 8, où ça commence à être vraiment complexe. Ensuite, on va regarder le niveau d'imbrication avec une autre fonction qui a pas mal de codes de blocs imbriqués les uns dans les autres. Donc ça nous fait un bon exemple pour comprendre à quoi ça correspond le niveau d'imbrication. Donc là, on a un if. Donc juste après le if, là, on est au niveau 1. Ensuite, on a un deuxième if dans le if. Donc cette ligne-là, elle a un niveau d'imbrication de 2. Même chose pour le else, le corps du else. Et donc là, alors, j'espère que je ne vais pas me perdre. Donc là, ça va être, là on est à 1. Là on est à 1. Là on est à niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. Donc là, si je me plante pas, le niveau d'imbrication maximal dans la fonction, ça va être 4. Donc, on va regarder ça. Et donc, même chose, on utilise la fonction interne à PSCodeHelp. Voilà, niveau d'imbrication. Pour cette fonction-là, c'est 4. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de visualiser à quoi ça correspond le niveau d'imbrication et puis la complexité cyclomatique aussi. Donc ensuite, quand on parlait de maintenabilité, on parlait aussi de documentation. Donc PSCodeF, pour chaque fonction dans le code analysé, il va nous donner une propriété qui s'appelle ContainsHelp, qui indique si la fonction a une aide ou pas. Par contre, ça détecte uniquement l'aide sous forme de commentaires. Ça ne va pas parser les fichiers d'aide externe sous forme de fichier MAML. C'est uniquement l'aide sous forme de commentaires.
Donc pour vous montrer, voilà, donc là on a un exemple d'une fonction. Cette fonction-là, elle n'a pas d'aide. Donc, on la récupère dans une variable, on convertit la variable sous forme d'AST, et on utilise encore une fois une fonction interne à PSCodeHelp qui s'appelle Test Function Help Coverage, qui va nous dire si oui ou non la fonction elle a une aide. Donc là, dans ce cas-là, elle n'a pas d'aide. Ensuite, même fonction, sauf qu'on a rajouté un petit peu d'aide là. Vous voyez, c'est ce petit bout d'aide sous forme de commentaire. Donc, on va récupérer cette fonction. On la convertit en AST. Et donc là, Test Function Help Coverage nous dit cette fonction, elle a bien une aide. Et d'ailleurs, si vous regardez aussi, vous voyez, l'aide sous forme de commentaire ne se trouve pas dans le corps de la fonction. Ça pourrait être là aussi. Ça marcherait pareil. Mais là, dans ce cas-là, c'est juste au-dessus de la fonction. Donc voilà la petite démo pour l'aide. Alors, les indicateurs liés à la fiabilité. Donc là, ça va être principalement lié au test. Donc on a le nombre de tests réussis. Donc cette métrique-là, c'est une valeur absolue. C'est le nombre de tests qui sont passés au vert quand Pester a exécuté les tests. Parce que PSCodeHelp utilise Pester aussi. Donc ce n'est pas forcément un indicateur de fiabilité si on prend cette valeur-là toute seule. Par exemple, si on a 20 tests qui ont réussi, ça nous dit quoi? Eh bien, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça dépend. Si c'est sur 20 tests au total, c'est bien. Mais si c'est sur 50 tests au total, bon bah là, s'il n'y a que 20 tests qui ont réussi, c'est pas forcément terrible. Donc, parce que cette métrique, elle dépend énormément du nombre total de tests, PSCodeHelp n'a pas de règle de métrique pour cette métrique-là. Ensuite, on a le nombre de tests échoués. Donc cette métrique-là aussi, c'est une valeur absolue, c'est le nombre de tests qui ont échoué quand Pester les a exécutés. Mais même si c'est une valeur absolue, c'est une métrique, et c'est une métrique qui dépend du nombre total de tests, il y a quand même une règle de métrique. Pourquoi? Parce que n'importe quel test qui échoue, c'est potentiellement un défaut dans le code source. Et un défaut ou un bug, c'est vraiment le type de problème à traiter en priorité par rapport à n'importe quel autre problème de qualité. Donc même si on a un seul test qui échoue, il faut prendre ça au sérieux et investiguer pourquoi le test a échoué et corriger le problème. Donc dans PSConf, la règle pour cette métrique, elle dit, c'est warning à partir de un test échoué. Ensuite, on a le pourcentage de tests réussis. Donc ça, c'est le nombre de tests réussis, mais c'est une valeur relative, c'est par rapport au nombre total de tests. Donc cette métrique-là, elle a plus de sens si on la prend toute seule. Si on a une bonne suite de tests qui couvre une grosse partie du code source, cette métrique, elle nous permet de répondre à une question importante qui est dans quelle mesure le code est conforme à la fonctionnalité attendue. Mais pour que cette métrique réponde vraiment à cette question-là, encore faut-il que les tests vérifient correctement la fonctionnalité attendue. Et il faut aussi que les tests couvrent une bonne partie du code source. Si on a un module PowerShell avec une dizaine de fonctions, une dizaine de fonctions qui n'ont aucun test, dans ce cas-là, même si on a 100% de tests réussis, ce n'est pas forcément une preuve de qualité. Et justement, ça nous ramène à la métrique suivante, le taux de couverture de code.
Donc ça mesure le pourcentage du code source qui est exécuté par les tests. Et souvent, quand on parle de code, de couverture de code par les tests, on dit le code exercé par les tests. Et j'aime bien ce terme exercé parce que c'est un peu comme si les tests ils faisaient faire du sport au code source. Et comme les tests unitaires sont exécutés très souvent dans le cycle de développement, c'est comme si on faisait faire régulièrement de l'exercice à notre code. Donc si notre code, il a une bonne hygiène de vie, il est exercé régulièrement par les tests, on peut avoir confiance en notre code. Mais il faut aussi que cet exercice, il couvre correctement et suffisamment le code source, sinon il perd de son utilité. Par exemple, quand vous allez à la salle de gym, en général, vous ne faites pas travailler une seule jambe ou un seul bras. Eh bien, pour les tests, c'est pareil. Il faut que les tests couvrent une portion suffisante du code. C'est pour ça qu'on parle du taux de couverture. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la métrique pourcentage de tests réussis. Et on a dit que ça nous permettait de mesurer dans quelle mesure le code est conforme à la fonctionnalité attendue. Si on se fie uniquement au pourcentage de tests réussis et qu'on a 100% de tests réussis, on peut dire j'ai 100% confiance en mon code. Sauf que si les tests ne couvrent que 50% du code, le niveau de confiance qu'on peut avoir en notre code, en réalité, c'est plutôt 50%. Donc c'est pour ça que ces deux métriques, le pourcentage de tests réussis et le pourcentage de code exercé, sont vraiment complémentaires. Aussi, quand on parle du taux de couverture, il y a une chose qu'il faut vraiment souligner. C'est le pourcentage du code qui est exercé, autrement dit exécuté par les tests. Ça ne veut pas forcément dire que ce code est testé par les tests. Je m'explique. Par exemple, si on a une ligne de code dans une fonction PowerShell, et cette ligne de code est exécutée quand Pester exécute notre suite de tests. Cette ligne de code, elle a été exécutée, très bien. Mais est-ce que dans nos tests, il y avait une assertion pour cette ligne de code, pour vérifier spécifiquement que cette ligne de code fonctionne bien comme prévu? Pas forcément. Peut-être que oui, peut-être que non. La métrique du taux de couverture de code ne sait pas répondre à cette question-là. Elle dit juste, c'est le code qui a été exécuté pendant les tests. Donc il faut bien garder cette distinction à l'esprit entre code exercé et code testé. Et ensuite, on a la métrique du nombre de commandes non couvertes. Et alors là, le mot intéressant, c'est commande. En général, les outils qui analysent le taux de couverture de code, leur unité de base, c'est la ligne de code. Par exemple, si on a un fichier qui a 100 lignes de code, l'outil va vérifier quelles sont les lignes qui sont exercées pendant les tests et quelles sont les lignes qui ne sont pas exercées par les tests. Donc si on a, admettons, 80 lignes qui sont exercées, ça va nous donner un taux de couverture de 80%. Sauf que PS CodeHealth, il utilise Pester pour mesurer le taux de couverture. Et dans le cas de Pester, l'unité de base, c'est pas la ligne de code, c'est la commande. La raison, c'est que Pester, pour faire le suivi de quel code source a été exécuté, il utilise des breakpoints. Et les breakpoints en PowerShell, ils peuvent être détectés uniquement sur des commandes, pas des lignes. Et ça peut aussi arriver qu'il y ait plus qu'une commande sur une seule ligne. Donc il peut y avoir une légère différence entre le taux de couverture mesuré par Pester, et donc PS CodeHealth, et le taux de couverture tel que mesuré par d'autres outils. Mais bon, pour PowerShell, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres outils, à ma connaissance, que Pester pour mesurer le taux de couverture des tests. En tous les cas, le nombre de commandes non couvertes, ça correspond au nombre de commandes
dans le code source qui ne sont pas exercées par la suite de tests. Donc, si elles ne sont pas exercées par les tests, forcément, elles ne sont pas testées. Et donc, si elles ont des défauts, eh bien, ces défauts, ils ne seront pas détectés. Ou alors, ils seront détectés bien plus tard dans le cycle de vie du code, et malheureusement, ce sera probablement en production. Donc là, on va rentrer plus dans l'utilisation de PS Code Health. Donc, pour générer un rapport PS Code Health, on utilise la fonction principale du module PS Code Health, qui est invoke PS Code Health. Le résultat, c'est un objet de type Overall Health Report. Par contre, on peut aussi générer le rapport sous forme d'un fichier HTML. Et donc là, on verra, ça fait un rapport HTML de type un peu dashboard, très visuel, et ça nous permet de voir, de vraiment visualiser où en est le projet, le code PowerShell en termes de qualité et de maintenabilité. Donc pour générer un rapport sous forme d'un fichier HTML, c'est la même fonction, invoke PS Code Health, mais avec le paramètre HTML Report Path qui nous permet de spécifier le chemin du fichier HTML. Oui, à noter que quand on ouvre le fichier HTML, il faut avoir accès à Internet, sinon le fichier s'affiche en mode moche et pas très fonctionnel. La raison, c'est que pour que ce fichier HTML soit complètement portable et limiter sa taille, il télécharge des librairies externes au moment du chargement de la page. En l'occurrence, les librairies qui sont utilisées par le rapport PS Code Health, c'est Bootstrap pour les styles, jQuery pour manipuler les éléments HTML, et chart.js, c'est une librairie JavaScript pour générer facilement des rapports et des diagrammes. La visualisation et l'interprétation du rapport reposent sur le code couleur, donc extrêmement sophistiqué, hein, vert c'est bien, jaune avertissement, rouge danger. Et donc on va voir ça dans la démo. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer, c'est le projet GitHub, c'est le projet, c'est la base de code PowerShell sur lequel on va exécuter nos analyses, nos rapports à PS Code Health. Donc je voulais juste vous montrer cet outil-là, donc c'est disponible sur GitHub, et donc c'est un petit outil en fait. Un petit module PowerShell qui permet de publier facilement son taux de couverture sur un service web qui s'appelle coveralls.io. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc par exemple, moi je l'utilise ce service-là. Et donc j'ai rattaché mon compte GitHub au service Coveralls, et donc du coup ça me permet de faire un suivi de mes taux de couverture de test directement sur ce service-là. Donc c'est très sympa comme service. Donc par exemple pour PS Code Health lui-même, l'outil dont on est en train de parler, ça permet de faire le suivi du taux de couverture. Et donc là vous pouvez voir d'ailleurs que PS Code Health lui-même a un taux de couverture qui est vraiment élevé. 99,35%, 99,36% sur les dernières builds. Donc là, c'est des taux de couverture qui sont vraiment très élevés. Et c'est au-delà des recommandations. Je ne recommanderais pas forcément d'avoir des niveaux de couverture aussi élevés
parce que ça demande énormément de travail. Hein. Ça demande de développer énormément de tests. Donc voilà, c'est juste un petit module PowerShell, très sympathique. Le projet n'a que 5 étoiles. Ça, j'ai du mal à comprendre parce qu'il est super utile. Et donc voilà, donc c'est la base de code sur lequel on va faire nos petites démos. Voilà, donc coveralls.io, je vous ai déjà montré. Donc là, au lieu d'utiliser les fonctions internes individuellement, on va charger le module entier, pscodehelp. Ça prend un petit peu de temps la première fois parce que ça charge aussi Pester et PScript Analyzer. Et ensuite, on va générer notre rapport. Donc, invoke pscodehelp. Ensuite, le paramètre path, c'est le chemin du code PowerShell à analyser. Et ensuite, le paramètre testPath, c'est pour dire à pscodehelp où se trouvent les tests pour le code. Donc on exécute. Voilà. Et donc on a quoi dans notre health report? Voilà, ça nous donne ça. Donc ça c'est la vue, le formatage par défaut. Donc on a un tableau avec ces métriques là, ça nous donne le nombre de fichiers analysés, le nombre de fonctions détectées. Ça c'est le nombre de lignes de code moyen par fonction. Ça c'est le nombre de résultats PScript Analyzer. Donc là on n'en a pas. Là c'est la complexité cyclomatique moyenne par fonction. Et le taux de couverture des tests, 21,88%. Dans ce cas-là. Donc voilà. Alors ça, c'est juste le formatage par défaut. Si on veut voir toutes les propriétés, on peut faire ça. Voilà. Donc là, on a toutes les propriétés du rapport avec toutes les métriques du rapport. Ensuite, oui, alors ça c'est au niveau, quand je dis qu'on a toutes les métriques du rapport, c'est toutes les métriques qui sont au niveau global. Mais on a d'autres métriques qui sont pour chaque fonction individuellement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le nom des fonctions. Et ensuite, on a ligne de code pour chaque fonction, complexité pour chaque fonction. Si elles ont de l'aide, le taux de couverture des tests pour chaque fonction et les résultats PScript Analyzer pour chaque fonction. Donc là, par exemple, on peut voir la fonction qui a le niveau de complexité cyclomatique la plus élevée, c'est la fonction qui s'appelle getCoverageArray. Et puis la fonction la plus longue, c'est celle-ci avec 39 lignes. Voilà, donc on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va générer le rapport sous forme de fichier HTML. Donc le fichier, il va s'appeler report.html. Comme ça, on va pouvoir regarder ça. Ça va être un peu plus visuel. Voilà. Ensuite, on ouvre le rapport. Donc voilà ce que ça donne, le rapport sous forme de fichier HTML. Donc là, par défaut, on arrive dans l'onglet Summary. Donc là, on a des informations générales. On a aussi
une trace du chemin analysé et puis la date et l'heure de l'analyse. Ensuite, on a l'onglet pour tout ce qui est formatage, formatage et bonne pratique. Donc cet onglet-là, il parle principalement des résultats Script Analyzer. Bon, là, c'est pas forcément super intéressant parce qu'il n'y en a pas. Par contre, ça parle de LED aussi. Et donc là, il n'y a aucune fonction qui ont de LED sous forme de commentaires. Et oui, alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que chacun des panneaux là, ça c'est un panneau, ça c'est un panneau, ça c'est un panneau. Tous les panneaux qui correspondent à une métrique qui ont une règle de métrique, eh bien la couleur du panneau, ça va représenter le niveau de conformité. Donc par exemple, si on a une métrique qui est en niveau warning, la couleur ce sera jaune, et si on a une métrique qui est en niveau erreur ou fail, ben ce sera dans un style rouge, comme là par exemple, comme pour les LED. Et les panneaux bleus, c'est parce qu'ils n'ont pas, c'est juste l'information, ils n'ont pas de règles de métrique. Donc pour la maintenabilité. Donc bon, c'est du code qui est très simple, hein. Ce sont des fonctions qui sont assez petites et assez simples. On le voit bien là. Tout ce qui est complexité, on est tout au vert. À part le nombre de lignes de code là, pour juste cette fonction-là, où là on voit la case est jaune, donc c'est niveau warning. Mais sinon tout le reste c'est en vert. Donc pas de souci de ce côté-là. Et donc, si vous vous rappelez, ça correspond à la complexité cyclomatique. Et ça, maximum nesting depth, ça correspond au niveau d'imbrication maximale. Ensuite, pour les tests, donc là, on a le nombre de tests, le nombre de tests qui ont échoué, le nombre de tests qui ont réussi. Le nombre de commandes, ça c'est le nombre de commandes qui ne sont pas couvertes par les tests. Et ensuite, on a un petit graphique en donut pour le pourcentage de tests réussis. Donc là, c'est 100%, donc c'est nickel. Et par contre, le panneau, il est rouge là pour le taux de couverture. Donc là, ça veut dire que le taux de couverture, il est en niveau fail. 21,88%. C'est assez largement en dessous du seuil warning et du seuil fail. Ensuite, si jamais on a des tests qui ont échoué, là on aurait plus d'informations dans ce tableau-là. On aurait le fichier de test, la ligne de test, le describe, et puis le nom du test et le message d'erreur. Et puis là, on a le découpage pour chaque fonction du taux de couverture du code par les tests et puis du nombre de commandes non couvertes. Donc là, et même chose pour chaque fonction, si c'est vert, c'est bon, si c'est rouge, c'est pas bon. Donc là, on voit au niveau du taux de couverture pour chaque fonction. Au niveau des fonctions, c'est tout ou rien. C'est soit 100%, soit 0. Donc là, c'est probablement l'aspect à améliorer si on veut améliorer la qualité et la maintenabilité et la fiabilité de ce projet Coveralls. Voilà. Oui, alors,
petite démo où on va faire une petite amélioration dans le code et on va vérifier, on va générer un nouveau rapport et on va pouvoir vérifier nos progrès. Donc ça, je vais récupérer ça parce que on a vu. On a vu cette fonction-là. Cette fonction-là, elle a un taux de couverture de 0% et elle a trois commandes manquées. Donc si on peut rajouter des tests pour cette fonction-là, on va améliorer le taux de couverture global du projet. On va voir quel impact ça a sur le taux de couverture global du projet. Donc ça, on va rajouter quelques tests pour cette fonction-là. Hop, on va aller dans le code de Coveralls, dans le script de test, et on va rajouter nos tests pour cette fonction-là. Voilà. On enregistre notre changement. Voilà. Et donc on va générer un nouveau rapport. Dans un nouveau fichier HTML. Voilà. Alors, au passage, vous voyez, par défaut, quand on utilise le paramètre HTML Report Path, ça va générer un fichier, mais ça ne va pas nous générer en output le rapport sous forme d'objet PowerShell. Donc, si on veut le fichier HTML et le rapport sous forme d'objet PowerShell, on peut utiliser le paramètre PassFlow. Donc c'est ce qu'on a fait là. Ça nous permet de récupérer en même temps le rapport dans la variable. Et donc on va ouvrir notre nouveau rapport. Et donc là, notre taux de couverture, il était à 21,88%. Maintenant, il est à 25%. Donc c'est déjà un petit peu mieux. C'est toujours pas phénoménal, mais c'est déjà un peu mieux. Et ah, c'est intéressant. Donc, d'abord, on voit que maintenant, pour notre fonction, il y a 100% du code dans la fonction qui est couverte. Du coup, il y a zéro commande non couverte. Donc là, on est bon pour la couverture de cette fonction-là. Par contre, il y a eu un test qui a échoué. Donc là, vous voyez, ça donne un exemple de ce que ça donne quand il y a un test qui échoue. Ça nous donne le fichier, et la ligne aussi d'ailleurs. Ça nous donne le nom du bloc describe. Ça nous donne le nom du test. Et ça nous donne le message d'erreur. Donc là, non seulement on a augmenté le taux de couverture, mais on a potentiellement détecté un bug. Apparemment, la fonction, elle fonctionne bizarrement quand on lui passe null. Donc, bon, je ne peux pas trop vous dire si c'est un défaut ou pas, parce que je ne connais pas le comportement attendu lors du développement. Peut-être que c'est voulu, hein, que ça n'accepte pas null, mais on a potentiellement détecté un bug. Et donc du coup là, le taux de test réussi, c'est plus 100%, c'est 93. Et puis on voit bien aussi le nombre de tests a augmenté. Donc voilà, donc PSCodeF, ça peut être assez utile aussi pour suivre nos progrès quand on fait des changements au niveau du code.
Alors, donc ce qu'on a vu, les règles de métrique qu'on a vues jusqu'à présent, ce sont les règles qui sont dans PSCodeHealth, qui sont par défaut. Et donc ce sont les règles qui nous permettent de dire, pour telle métrique, en dessous de telle valeur, c'est bien. À partir de telle valeur, ça commence à être moyen. Et au-dessus de telle valeur, c'est pas bien. Donc on peut lister toutes ces règles de métrique avec la fonction getPSCodeHealthComplianceRule. Et ces règles-là sont divisées en deux groupes. Il y a les règles pour les métriques globales, pour tout le rapport, et les règles par fonction. Donc on verra ça dans la démo. Et donc pour vérifier, on peut vérifier la conformité d'un projet PowerShell avec les règles PSCodeHealth par défaut. Pour ça, on va utiliser le commandlet test PSCodeHealth compliance. Cette fonction en input, elle a besoin d'un objet de type overall health report. Donc on lui passe notre health report généré par invoke PSCodeHealth via le paramètre health report. Ensuite, pour chaque métrique ou pour chaque règle de métrique, cette fonction va nous dire si le code est bon, moyen ou pas bon. Donc pass, warning ou fail. Ensuite, oui, si jamais on ne veut pas savoir le résultat de chacune des métriques, mais qu'on veut seulement un résultat global, on peut utiliser le paramètre summary. Ce qu'il faut noter avec le paramètre summary, c'est que ça retient le plus mauvais résultat de toutes les règles de métrique évaluées. C'est-à-dire que s'il y a une seule métrique qui a le résultat fail, le résultat global, ce sera fail. S'il y a des métriques qui ont les résultats warning, mais aucune avec le résultat fail, alors le résultat global, ce sera warning. Et si toutes les métriques évaluées sont en résultat pass, alors le résultat global, ce sera pass. Donc, avec toutes ces règles qui vous disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vous vous dites peut-être c'est un outil un peu dogmatique et un peu rigide. Et puis, qui il est d'abord ce Mathieu Buisson là pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Donc, je comprends. Donc d'abord, j'ai vraiment essayé de baser les règles de métrique sur trois types de bases et dans cet ordre. Donc d'abord, les consensus dans la communauté PowerShell, les pratiques ou les règles existantes dans des projets PowerShell de référence, et enfin des règles de métrique dans d'autres outils de qualité de code. Sachant que ces outils, en général, ils ne supportent pas PowerShell et ils sont plutôt orientés C Sharp ou Java ou Python ou etc. Et le problème, c'est que la majorité de ces métriques n'ont jamais vraiment été mesurées et ni même discutées dans la communauté PowerShell. En tout cas, pas avant que PSCodeHealth n'arrive. D'un autre côté, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les règles de métrique, elles étaient finalement assez similaires pour plein de langages de programmation et même des langages très différents. Donc, si on a des règles de métrique qui sont quasiment universelles, pourquoi on devrait faire une exception pour PowerShell? C'est une question qu'on peut se poser. Et à la limite, c'est pas forcément à moi d'y répondre, c'est plutôt à la communauté PowerShell d'y répondre. Donc c'est pour ça que si vous avez des doutes ou des questions par rapport aux règles de métrique dans PSCodeHealth, je vous encourage vraiment à ouvrir un issue sur le projet, sur GitHub, pour donner votre avis. Il y a déjà des issues qui ont été ouverts. Ça permet de faire des débats intéressants et de faire avancer les choses et d'améliorer PSCodeHealth. Donc voilà, ceci dit,
PSCodeF nous permet de définir nos propres règles de métrique. C'est tout à fait possible que certaines règles n'aient pas de sens pour certains types de projets. Par exemple, on peut très bien avoir une raison valable pour avoir un taux de couverture plus bas parce que la nature du code fait que c'est du code difficile à tester. Du code difficile à tester, ça peut être du code qui fait appel à des ressources externes, par exemple une base de données, ou ça peut être difficile à tester parce que ça exécute du code dans des runspaces différents, par exemple. Donc les règles de métrique par défaut, elles sont dans un fichier pscodehealthsettings.json qui se trouve à la racine du module pscodehealth. Mais pour les personnaliser, ces règles de métrique, je déconseille fortement de modifier ce fichier. Ce qui est recommandé, c'est de créer un autre fichier JSON avec dedans les règles que vous voulez ajuster. Et donc, on va voir comment faire dans la démo. Personnaliser les règles. Donc, comment lister les règles de métrique par défaut? C'est avec cette fonction-là. Ça, c'est une fonction publique, getPSCodeHealthComplianceRule. Et donc là, il y en a un bon petit paquet. Donc voilà. Donc pour la plupart des métriques, il y a une règle qui va nous dire à partir de telle valeur, on est en warning, et à partir de telle valeur, on est en fail. Et puis il y a aussi pour bien comprendre et évaluer entre les seuils, il y a cette propriété-là qui nous dit si la valeur si plus la valeur est élevée, mieux c'est ou pas. Donc juste un petit exemple. Par exemple, on a vu le taux de couverture. Donc pour le taux de couverture du code par les tests, donc là c'est plus c'est élevé, mieux c'est. Donc, ce qui veut dire en dessous de 80% de taux de couverture, on commence à entrer dans le niveau warning. Au-dessus, à 80% ou au-dessus, on est bon, on est vert. Et par contre, en dessous de 70%, là, on arrive dans le niveau fail. Donc voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer une page de la documentation PSCodeHealth. Cette page-là, elle est assez intéressante parce que elle explique assez rapidement chacune des métriques et qu'est-ce qu'on essaye de mesurer exactement pour chacune des métriques. Et ça explique aussi les seuils warning et les seuils fail. Et en général, ça va nous donner une petite explication sur d'où viennent les seuils. Parce que j'ai essayé vraiment de fixer les seuils de manière pas totalement arbitraire. Donc, par exemple, là, les thresholds, ça vient, pour la complexité cyclomatique, ça vient de cette source-là. Hop. Ça vient d'un autre outil de qualité de code qui est très orienté .NET et C#. Et donc voilà. Donc les seuils de métrique, en général, ils viennent pas de nulle part. Et donc si vous voulez voir d'où ils viennent, vous pouvez consulter cette page de la documentation de PSCodeHealth. Donc, au lieu de lister toutes les règles, on peut filtrer par les noms de métriques. Donc, par exemple, là, on va récupérer
le nombre de lignes de code, les règles pour la métrique ligne de code, la métrique complexité cyclomatique et la métrique test de couverture, couverture de test. Voilà, donc là ça nous donne 4. C'est parce que le taux de couverture, c'est une métrique, c'est deux métriques différentes en réalité. Le taux de couverture est mesuré à deux niveaux différents. Au niveau de chaque fonction. Pour chaque fonction individuellement, on a le taux de couverture. Et puis on a le taux de couverture global, qui est cette métrique-là. Voilà, et donc on a ces deux groupes de métriques, les métriques globales et les métriques par fonction. Si on veut voir uniquement les règles pour les métriques par fonction, on peut utiliser le paramètre settings group et dire per function matrix. Donc voilà les fonctions qui sont mesurées uniquement, les métriques qui sont mesurées au niveau de chaque fonction individuellement. Donc, suite à la démo précédente, on a toujours notre health report qui est stocké dans cette variable. Donc, on va passer cette variable-là, notre rapport PS Code Health, on va le passer à test PS Code Health Compliance. Comme ça va nous dire si notre base de code PowerShell répond aux standards de qualité par défaut dans PS Code Health. Et donc là, ça nous sort les infos, ça nous sort le résultat, warning, pass ou fail, pour chacune des métriques dans le rapport. Donc là, on a des fails. Donc on peut aussi vérifier uniquement les métriques globales. Comme ça. Et donc les métriques globales, on a uniquement deux fails. Et les deux fails, ils sont liés au test. Donc le taux de pourcentage de test réussi. Là, notre rapport PS Code Health, il était à 93%. Donc c'est en dessous de 97%. Donc du coup, c'est en niveau fail. Donc c'est pas terrible. Et puis pour la métrique du taux de couverture, donc là, on était à 25%, ce qui est largement en dessous de 70%. Donc là, c'est pas terrible non plus. On a le résultat fail. Donc là, comme je vous disais, si on veut un seul résultat global sans avoir tous les détails, on peut utiliser ce paramètre summary. Et donc ça va nous donner uniquement fail. Parce que, comme je le disais, le résultat summary, il va retenir que la plus mauvaise, le plus mauvais résultat. Ensuite, on va voir comment on peut personnaliser nos règles de métrique. Donc, par exemple, on va dire, bon, notre projet Coveralls, là, il n'est pas facile à tester. On va dire, ok, 25%, ça nous suffit. Donc, à ce moment-là, on va modifier la règle de métrique pour le taux de couverture. Voilà. Et donc, notre règle personnalisée, elle se trouve dans notre fichier JSON, là. Et donc, notre fichier JSON, il contient pour les métriques globales. Il contient
un objet pour la métrique test coverage. Et donc, on lui donne des nouveaux seuils. C'est uniquement les seuils finalement qu'on va personnaliser. On lui dit on lui dit que finalement on sera au niveau warning que en dessous de 25 et on sera en niveau fail que en dessous de 20. Alors que les métriques habituelles, bon, c'est pas un fichier à modifier, mais je peux vous montrer quand même. PSCodeInf. Voilà. C'est ce fichier-là qui contient toutes les règles par défaut. Et donc, pour chaque règle de métrique, on a notre petit objet en JSON. Et donc, la règle qu'on modifie dans notre autre fichier, c'est celle-là. On a juste changé les seuils. Avant, c'était 80 pour le seuil de warning et 70 pour le seuil d'échec. Et maintenant, on a changé. C'est 25 pour warning et 20 pour échec. Donc, normalement, si on utilise cette règle-là, PSCodeInf devrait nous dire que 25% c'est bon. Donc, on va spécifier notre fichier qui correspond les règles personnalisées avec le paramètre custom settings path. Et puis, on va mesurer uniquement les métriques globales. Voilà. Et donc ensuite, on va exécuter. Ah oui, donc ça c'est juste pour vérifier que notre règle. Parce que ça, get PSCodeInf compliance rule, c'est le commandlet, si vous vous rappelez, qui va lister les règles. Sauf que là, on va plus lister les règles uniquement par défaut, puisque on lui spécifie notre fichier monprojet.json. Donc là, même chose, ça nous liste toutes les règles, sauf que pour le taux de couverture, maintenant, ça nous dit 25 pour le niveau warning et 20 pour le niveau échec. Et toutes les autres règles sont inchangées puisque notre fichier personnalisé, il contient une règle que pour le taux de couverture. Voilà. Ensuite, on va exécuter test PSCodeInf compliance en lui spécifiant bien notre projet, notre fichier JSON qui contient nos règles personnalisées. Et puis, même chose, uniquement les métriques globales. Et même chose, notre fichier, notre rapport PSCodeInf qui est toujours stocké dans notre variable. Donc, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Eh bien, maintenant, ça nous dit passe pour le taux de couverture. Donc, ça a bien pris en compte nos seuils personnalisés pour le taux de couverture. Et donc, 25% maintenant, c'est OK. Ensuite, on peut faire la même chose aussi, mais quand on utilise invoke PSCodeInf directement, au lieu que ce soit qu'au moment de l'évaluation des règles, là c'est carrément au moment où on génère le rapport PSCodeInf. On va lui passer, même chose, notre fichier monprojet.json avec le même paramètre, custom settings path. Et donc là, du coup, au moment même de la génération du rapport, PSCodeInf va être au courant de notre règle personnalisée. Et du coup, notre rapport HTML, le panneau de taux de couverture,
au lieu de s'afficher en rouge, normalement, il devrait s'afficher en vert, cette fois-ci. Voilà, ensuite on ouvre le rapport. Voilà. Donc là maintenant, on peut retourner dans cet onglet. De toute façon, c'est le même diagramme qu'on retrouve dans l'onglet Summary et dans l'onglet Test. C'est le même diagramme. Donc là maintenant, on voit bien, le taux de couverture est toujours à 25%, mais le panneau est vert. Donc ça a bien pris en compte notre règle personnalisée au moment de la génération du rapport. Donc voilà quelques ressources pour aller plus loin. Donc vous pouvez consulter le code du module PS Code Health sur GitHub. Donc voilà, c'est le nom du projet, c'est tout simplement PS Code Health. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez consulter la documentation de PS Code Health, et notamment par exemple la page spécifique qui explique les métriques. Je vous invite également à récupérer le module PS Code Health directement via Install Module parce qu'il est disponible sur la galerie PowerShell. Donc je vous invite à l'inviter, à l'installer et à l'utiliser. Donc ensuite, pour tout ce qui est pratique de style et les bonnes pratiques, il y a vraiment une super ressource qui se trouve à cette adresse-là. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un projet sur GitHub. Et c'est vraiment un projet communautaire. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas quelqu'un qui arbitrairement va dire quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment fait par la communauté. Et en plus, c'est assez détaillé. Et en plus, donc du coup, ça dit tout un tas de pratiques qu'il faut essayer de suivre, mais ça explique aussi pourquoi il faut les suivre. Donc c'est vraiment une super ressource. Et ça permet d'améliorer la qualité et la lisibilité du code. Voilà, sinon je peux vous montrer rapidement le projet GitHub. Donc voilà, PS Code Health, le code est là. Il y a une petite explication, et puis voilà, ça vous permet de consulter le code parce que éventuellement, si vous voulez vous pencher sur AST, par exemple, ça peut être un exemple assez intéressant parce que il y a les fonctions internes dans PS Code Health, notamment les fonctions qui permettent de collecter les métriques, elles utilisent beaucoup, énormément AST. Donc voilà. Et puis sinon, pour aller encore plus loin, vous avez la Bible sur comment écrire du code propre et du code de qualité. C'est ce livre Clean Code de Bob Martin. C'est un livre qui n'est plus forcément super récent, et par contre, en plus, tous les exemples sont en Java. Mais bon, si vous avez des bases en langage orienté objet,
Ça devrait pas poser trop de problèmes. Et c'est vraiment la Bible. Bob Martin, c'est vraiment quelqu'un de très connu dans tout ce qui est programmation et qualité de code. Donc voilà pour moi. Est-ce que si on a du temps, hein, je pense, pour des questions, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci beaucoup Mathieu. J'ai demandé s'il y avait d'autres questions. Il y avait Xian qui avait posé une question sur les dépendances du module. Il demandait est-ce qu'il y a moyen de ne pas télécharger les modules tels que JavaScript pour la génération du HTML. J'imagine dans le cas où tu les as déjà sur ta machine. Alors, pas vraiment, parce que c'est codé dans le HTML. C'est codé dans le HTML. Et de toute façon, ça va récupérer les librairies JavaScript et CSS. C'est pas au moment de la génération du rapport, c'est au moment de l'ouverture du rapport. Ok. Donc, je sais pas si c'est moins problématique, mais... Oui, ah, et si vous voulez vraiment utiliser la version que vous avez en local de Bootstrap ou de jQuery ou de Chart.js au moment de l'ouverture du rapport, bah à ce moment-là, il faudrait carrément modifier à la main le HTML, en fait. Ok. Pour C'est utiliser la... une ressource interne au réseau, quoi. Oui. Ok. Moi je trouve ça super intéressant. J'ai pas vu d'autres questions. Si vous avez d'autres questions pour Mathieu, vous pouvez le mettre dans le chat ou utiliser votre micro pour poser la question. Mais moi je trouvais ça super intéressant parce que je fais souvent des avec un de mes collègues là qui est ici dans le chat aussi là. On fait souvent des reviews de scripts, puis je pense qu'un outil comme ça pourrait vraiment nous aider. Parce qu'on flag quand même pas mal de choses avec Script Analyzer, Pester, mais... Oui, alors j'ai oublié d'en parler aussi, mais j'ai écrit un article sur mon blog pour comment utiliser PS Code Help dans une release pipeline. Et c'est vraiment là, je trouve, où PS Code Help est vraiment utile, parce que on peut fixer nos propres standards de qualité, mais on peut les appliquer au moment de la build. Donc j'ai expliqué comment faire ça avec un exemple sur une base de code, un projet PowerShell, et avec une build dans AppVeyor. Ok, cool. Est-ce que tu as le lien sous la main par hasard? Qu'on puisse le Alors, mettre dans le chat vite fait. hop, hop, voilà, Quality Gate. Je trouve ça vraiment utile. C'est là où PS Code Elf devient vraiment utile. Et donc là, je vais mettre ça dans le chat. Cool, merci. Justement, tu parlais de AST. En ce moment, j'étais en train de travailler avec des règles Scope Analyzer. J'ai pas regardé Oui. exactement dans ton code, mais est-ce que par hasard, tu aurais une règle qui détecte si les paramètres sont spécifiés? C'est pour pas assumer le positional paramètre. Oui, alors normalement, il y a une règle qui est déjà inclue dans PS Script Analyzer qui va nous dire si il y a les paramètres positionnels. Mais j'ai l'impression que elle n'est pas active par défaut, cette règle-là. Ah, ok. Donc je suis pas sûr exactement de comment l'activer, mais je suis sûr qu'il y a une règle qui est déjà inclue dans PS Script Analyzer pour ça. Ouais, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a une règle, mais elle va regarder juste la syntaxe de ta fonction ou ton script, mais va pas regarder en fait si c'est Oui, utilisé en donc la fait. règle. Oui, donc la règle, elle marche pas très bien en fait. Ok. Ouais, peut-être donc ça, en ce moment j'essayais de faire ça, mais je me demandais juste si tu l'avais déjà fait, mais... Ok, je regarderai et je revérifierai la règle qui existe déjà. Oui. Ok, mais je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut arrêter là. Et puis je pense qu'il y a quelques personnes qui commencent à se déconnecter, donc je pense qu'on va arrêter ici. Donc je te remercie encore beaucoup, Mathieu.
d'être venu présenter ça pour nous. C'était super intéressant. Et Ben moi, merci. c'est sûr que je vais installer ton module demain au travail, là. Ok, bah super. Cool, bah merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu. Et puis on Oui. se voit le mois prochain. Ok, merci à tous. Merci.